Mesdames, Messieurs, bonsoir, mardi 18 mai, bienvenue dans le Tour d'Eiffel, l'émission qui décortique le sport en profondeur. Ce soir, un invité de marque en la personne de Monsieur Éric Thomas, élu au sport à la mairie de Tours. Bonsoir, Monsieur Thomas. Bonsoir. Voilà, donc je vous ai invité, on devait déjà être ensemble la semaine dernière, ça a été reporté pour un contre-temps, on va appeler ça comme ça, on va pas rentrer en profondeur. C'est mieux que ça se passe cette semaine finalement, on en a parlé ensemble tout à l'heure. Déjà, et en priorité, je vais présenter des excuses aux auditeurs pour ces 10 minutes de retard, mais on va dire que la circulation tourangelle a posé des problèmes pour être pile à 18h30 au rendez-vous. Donc, Monsieur Thomas, vous êtes élu au sport à la ville de Tours. Quel est, en quelques mots, votre rôle? Qu'est-ce que ça veut dire élu au sport, en quelque sorte? Un élu, vous le savez, c'est un intermédiaire, c'est un médiateur. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre les problèmes, de les anticiper, d'accompagner aussi, de conseiller. C'est un peu un couteau suisse. On essaie, notamment dans le sport et dans cette période sanitaire compliquée, d'être à l'écoute des interlocuteurs, des dirigeants, des sportifs, savoir comment, bah notamment sur les aspects budgétaires, comment l'atterrissage de la saison va se faire, entre ceux qui n'ont pas pu pratiquer, dont les championnats n'ont pas pu aller au bout, et puis ceux, les professionnels, qui ont dû jouer sans public, sans partenaire, à huis clos, et dont les finances sont malmenées. Donc voilà, c'est un petit peu un rôle privilégié, hein. Voilà, moi je mesure tous les jours le bonheur d'être élu au sport de la ville de Tours, une grande ville sportive et qui aspire, on l'a vu avec l'UTBM, à retrouver des grandes heures de sport. Donc voilà, c'est ce rôle où j'essaie d'être au contact, si ce n'est quotidien, au moins hebdomadaire, avec l'ensemble des interlocuteurs du monde sportif, acteurs, dirigeants, celles et ceux qui font vivre le sport et battre le cœur du sport à Tours au quotidien. En quelque sorte, vous êtes le représentant de la mairie, bien évidemment, vers les clubs. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est l'interlocuteur des clubs, voilà, du monde associatif, sportif, et des clubs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Vous êtes celui qui pousse les dossiers pour les faire valider quand vous vous rendez compte qu'un club a besoin d'aide. Ce n'est pas toujours accepté, mais vous faites ce qu'il faut pour que ça aboutisse. On essaie. Alors, je suis évidemment, c'est mon rôle principal à la mairie de Tours, adjoint au sport, mais aussi à la métropole. Où je suis conseiller métropolitain et où on essaie de porter une dimension du sport supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Bon, nous sommes tous les deux là pour une heure environ. Nous allons essayer d'aborder une grande partie des clubs, des sujets à tendance, avec des questionnements en tout cas. Donc, je vais commencer là par le dossier qui est un des dossiers lourds, qui est par rapport au sport qu'on dit majeur, le football à Tours, qui est depuis quelques années en grande perte de vitesse. Il s'avère qu'il y a un projet qui a été lancé il y a quelques mois maintenant, en partie par la mairie de Tours. Qu'en est-il? Alors, ce n'est pas la mairie qui a lancé le projet, c'était le projet
qu'on avait porté dans la campagne municipale, effectivement, le projet d'une société coopérative d'intérêt collectif. Hein, c'est le club qui le porte, puisque c'est le club qui a recruté Luc Dayan pour établir l'état des lieux et la faisabilité de ce projet. C'est un projet qui a été parfaitement réussi à Bastia, puisque Bastia, comme Tours, a connu des heures sombres, et Bastia arrive à retrouver la lumière en accédant cette saison à la Ligue 2. Alors, la ville va aider, va accompagner évidemment le club, mais c'est bien le club qui va porter ce projet. C'est pour ça que je vous disais ça, c'est parce qu'on a l'impression que la municipalité communique plus sur ce projet que le club en lui-même. Je ne sais pas si on communique plus, en tout cas, le club n'est plus un club professionnel, même si il y a deux entités, hein, faut le rappeler, il y a la SASP qui est la propriété de Monsieur Jean-Marc Ettori, dont le président délégué est Monsieur Guillaume Barré, et l'association hein, qui détient les droits sportifs. Donc, ce sont ces deux entités que moi j'ai tenté de réconcilier, en tout cas de ramener vers le dialogue. J'espère, en tout cas, que le dialogue est renoué. Ça a été une de mes premières missions. Et puis, il y a la SASP qui a connu des descentes sportives, rétrogradation administrative et qui n'a pas pu remonter en National 2 l'an dernier, alors que je pense que le club le méritait et que c'était, je pense, le rôle de la DNCG de permettre au club de jouer à ce niveau-là. Bon, on sait aussi que la ville, lors d'une réunion récente, il y a maintenant une quinzaine de jours, en présence de M. Ettori, a fait le point de la situation. Il y avait M. Ettori, M. Guillaume Barré, M. Luc Dayan. L'état des lieux a été présenté et le maire a souhaité qu'on aille évidemment plus loin en déclenchant un audit auprès des deux entités, un audit auprès de la SASP et un audit auprès de l'association pour avoir une parfaite connaissance de l'état des lieux financiers, voilà, un état des lieux qui sera, je pense, communiqué à la ville dans les premières semaines du mois de juin. Alors là, il est clair que ce projet mis en place, c'est pour aboutir à une somme d'argent, puisque la montée en N2 a été refusée justement pour le problème récurrent qui est l'argent. Parce que quand vous disiez que le club méritait le National 2, c'est surtout les sportifs qui le méritaient, puisque le club n'a pas abouti aux besoins, à la nécessité pour pouvoir monter au niveau supérieur. Donc, j'ai un petit point de divergence parce que je pense que le dossier administratif qui a été présenté à la DNCG, au vu de tous les critères de la DNCG, aurait dû être accepté. Voilà. Ah bon. On a, je sais que le club a un endettement qui a quand même été bien réduit, hein, puisqu'il y a eu, vous le savez, la vente de Baptiste Santa Maria qui est d'Angers en Allemagne et qui a permis au club de Tours de récupérer une partie une belle enveloppe. Donc l'endettement a été réduit, il est quand même conséquent. Donc on attend l'audit pour avoir véritablement l'ampleur de la dette. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la participation à la SIC, à la société coopérative, en aucun cas ne va régler la dette. Le projet de la SIC, ce n'est pas pour hier, c'est pour demain. C'est pour permettre au club de travailler et d'avoir de nouvelles ambitions sportives pour les prochaines années. L'enveloppe doit être pour pallier ce trou. Il faudrait combien là ? On part sur quelle base ? Je l'ignore aujourd'hui, même si on pense que on parlait autour de 2 millions d'euros. Un peu moins, je pense. On est autour d'un million cinq, un million six, d'après les informations que M. Ettori a bien voulu nous communiquer. Mais je reste prudent. On attend les résultats de l'audit. Hein, puisque, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ça qu'il faut avoir en pleine connaissance pour permettre de se projeter. Puisque moi, j'ai souhaité que la participation soit la plus modique possible, hein, puisque c'est une participation de 50 euros, et donc doit permettre aux supporters
puisque c'est l'objectif de prendre une participation et d'avoir leur mot à dire, ce qui aujourd'hui dans le football, qui est un sport populaire, n'est pas le cas. Il faut que les supporters s'emparent et puissent être entendus et écoutés au sein des instances sportives et notamment auprès des clubs. On a vu passer récemment sur les réseaux sociaux une éventuelle, on va appeler ça des promesses de dons aux avoisinant les 450 000 euros. C'est vrai, c'est ça ? C'est ça. Donc ça veut dire quoi ? En gros, il manque 1 million encore là. Alors, il manque. Oui. Non, mais je veux dire approximativement. L'objectif, c'était entre 1 et 2 millions d'euros. Moi, je pense que si on atteint 1 million de promesses de dons, c'est formidable. Voilà, ça permet de travailler pour au moins les deux prochaines saisons. Si c'est plus, tant mieux. Moi, j'invite oui. les amateurs, les amoureux du foot qui ont envie que ce club renaisse à faire leur participation. Moi, à titre personnel, je vais le faire. Mon fils, ses amis le font aussi pour des sommes modiques, encore une fois. Ça peut être 50 euros. Et ça, c'est important. On sait que les anciens joueurs, j'ai pu évoquer le sujet il y a quelques Eric temps. Pécou. Avec Eric Pécou, Jimmy Adjovi-Boko, Omar Da Fonseca, mais d'autres aussi. Je pense à des champions du monde. Je pense à Patrick Vieira, je pense à Olivier Giroud. Pourrait aussi porter. Alors, on va profiter de la trêve dès que les championnats seront terminés pour engager ce dialogue. Sans trahir de secret, j'ai eu un joueur du Paris Saint-Germain qui a été formé à Tours, Abdou Diallo, avec qui j'ai évoqué le sujet, qui est aussi intéressé. Donc, on a prévu d'en reparler là dans le courant de la semaine. Voilà, c'est des joueurs qui, aujourd'hui, ont envie que le football reparte à Tours. Et le football a toute sa place à Tours. Je pense que Tours devrait… Au moins dans les deux. Rejouer à un bon niveau, en tout cas la Ligue 2, oui, ça paraît essentiel. Voilà. On va changer de discipline maintenant, M. Thomas. On va parler basket, sans évoquer les belles journées qui se sont passées là depuis 4-5 jours. Au 1er juillet, l'UTBM va changer d'identité, puisque les clubs qui ont formé cette union, en l'occurrence le TBC et le P3L, ne renouvellent pas le bail. Le TBC récupère ses droits sportifs et continuera en N3, ainsi que les U15 et U18 élites, tandis que le P3L va en quelque sorte disparaître, puisqu'il va être englobé, pour ainsi dire, comme le centre de formation, en tout cas quand il sera réellement mis en place, pour le futur TMB. Comment est-ce que la mairie, alors à savoir que le TMB sera une société avec des actionnaires et tout ce que ça engendre, comment est-ce que la mairie voit ce projet? Est-ce que quand il a abouti il y a environ 2 mois, vous avez été surpris de ça? Est-ce qu'au départ vous avez vu ça d'un bon œil? Est-ce que 2 mois après, est-ce que la vision aurait éventuellement changé? Alors, c'est un divorce. Entre les différentes entités. Moi, j'avais souhaité qu'il y ait un dialogue entre le président de l'Épinay, avec Sandrine Serrol, présidente du TBC, et puis Frédéric Chouraki du P3L. Ça n'a pas pu, pour des conditions sanitaires, mais je pense que ce dialogue aurait été quand même préférable à ce divorce un peu rapide. Moi, je n'ai pas voulu m'immiscer. Chaque club est indépendant et a la liberté de s'administrer. Ce que je souhaite, c'est qu'on joue collectif, c'est l'esprit sportif, et c'est que chacun puisse préparer les prochaines saisons en toute sérénité. Donc, j'ai rencontré les différents acteurs et je souhaite qu'il y ait un travail en commun. Voilà, je l'ai dit aux uns et aux autres. Je pense que on ne bâtira un club durablement en Pro B qu'avec l'ensemble des acteurs et en rassemblant l'ensemble des forces vives du basket. Ça veut dire qu'il faut travailler les uns avec les autres, c'est le message que j'ai fait passer. Je pense qu'on y perdrait et son histoire et son âme à guerroyer ou à ressortir des vieilles histoires. Voilà, je le sais puisque ça m'a été rapporté. Il faut se tourner vers l'avenir, il faut avoir un état d'esprit positif, mais il faut aussi ne pas oublier
pour bâtir l'avenir, il faut aussi se souvenir de l'histoire. Le basket, c'est l'ADN hein, de Tours aussi, avec la SPO, les grandes Tours heures. Voilà, les grandes heures du championnat de France, de la Coupe d'Europe. Hein, il y a eu une finale de Coupe d'Europe, tout le monde s'en souvient. Et je veux quand même saluer la performance de l'équipe, hein, celle du président et de l'équipe dirigeante, et puis les coachs. Et puis l'équipe qui a quand même, dans des circonstances qui étaient difficiles pour tous les clubs, mais fait preuve d'une grande maturité et d'une grande maîtrise dans les matchs difficiles. Je pense à Toulouse et puis à Chalon quand il a fallu gagner le dernier match. Donc bravo, félicitations. Et à Dax aussi. Ça n'a pas été facile. Oui, il a fallu serrer les dents. Ou Angers, quand on perd d'un point et pas perdre le fil. Donc voilà, c'est des saisons qui sont très compliquées puisque... vous jouez 3-4 matchs pendant 10 jours, puis après, pendant 3 semaines, vous n'avez plus de compétition. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué de rester concentré. Et puis, on a vu, les deux derniers matchs ont été avec une intensité défensive. Je pense que le basket, quand vous jouez à ce niveau-là ensemble et que vous mettez une intensité à ce niveau sur l'adversaire, vous pouvez quand même avoir de l'ambition, c'est ce qui s'est passé. Et puis, même si vous êtes un peu en panne d'adresse, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment apprécié la qualité du jeu qui a été développé. Évidemment, comme tout un chacun, j'espère que les spectateurs vont pouvoir revenir très vite. Il y a une réception qui est prévue à la mairie le 26 mai prochain. Donc, on va recevoir nos glorieux sportifs avec l'ensemble de l'équipe dirigeante. Le maire a souhaité marquer effectivement cette montée. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, je dirais, c'est que mon conseil est homologué pour la Pro B. Parce que je ne vous cache pas qu'à la ville, on n'a pas trouvé de projet de construction d'une nouvelle salle, et à la métropole non plus. Donc, il va falloir, et heureusement, mon conseil est homologué, se projeter sur la saison prochaine à mon conseil. Et peut-être sans doute la suivante. Je sais que c'est un gymnase de quartier qui n'est pas dimensionné pour la Pro B, mais voilà, pour en avoir discuté avec le président, on va faire la saison prochaine à mon conseil, et c'est heureux. Bon. Pour en revenir un petit peu sur le comment dire là, ce divorce. Mais pour la bonne continuité des choses, il va bien falloir qu'il y ait quand même un rapproché, puisqu'il y a une réglementation de la FFBB qui est draconienne, c'est-à-dire qu'il y a des équipes de jeunes, un centre de formation, éventuellement des équipes 2 qui doivent évoluer au niveau national, et ça, le futur TMB, n'a pas encore... avec l'équipe, avec son, ce qui se trouve en dessous, c'est-à-dire le P3L, n'a pas encore cette équipe de N3. Donc, ça voudrait dire que qu'est-ce qui peut se passer ? Je suppose que vous êtes comme moi, vous n'en savez rien. Mais on va dire que par rapport à ces règlements qui sont ou qui vont être pondus ou pas connus de tout le monde, ça peut être quand même, ça peut engendrer des difficultés avec une mise en place un petit peu tordue, quoi. Hein, oui, parce qu'il y a quand même un, voilà, il y a l'ADN du basket tourangeau qui est, c'était ASPO qui était devenu TBC. Et est-ce que vous avez l'impression, vous, que le TBC se retrouve un peu comme le dindon de la farce ? Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, ce que je veux dire de manière très ferme, c'est que les règlements qui changent en permanence de par nos fédérations qui imposent des règles au dernier moment et qui ne payent pas les changements demandés, ça fait quand même beaucoup. Quelles que soient les fédérations, hein, voilà, on subit, évidemment, les clubs en premier lieu, mais aussi les villes qui sont propriétaires des infrastructures et qui doivent, en catastrophe, réaménager au dernier moment les installations. Donc,
ça, je crois que on va arriver à un moment où ce ne sera plus acceptable, et je pense que beaucoup de municipalités ne l'acceptent plus, et se sont d'ailleurs réunies au sein de l'Association nationale des élus du sport, hein, dont la ville de Tours fait partie, pour dire aux fédérations qu'il faut mettre aussi un peu d'écoute et de dialogue. Donc ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, vous connaissez comme moi la qualité de la formation du TBC, je pense qu'il serait un peu... que ça serait pertinent de travailler avec le TBC sur la formation, parce que on a besoin pour construire un club des jeunes, voilà. Et je l'ai dit à l'ensemble des acteurs, je l'ai dit aussi à la présidente du TBC. Je pense qu'il faut essayer de trouver une forme de partenariat bien comprise, qui puisse permettre à l'ensemble des entités d'être gagnant-gagnant. Voilà, c'est ouais, tout. Ça voudrait dire que d'un divorce, on va vers un... Il faudrait faire un remariage, en quelque sorte. C'est pas un remariage. Non, je crois que le divorce, il est acté. Mais il faut être intelligent. Et il faut trouver la meilleure façon de travailler ensemble. Voilà, c'est pas de se marier, c'est de travailler ensemble dans l'intérêt du basket tourangeau. D'accord. Là, on va changer. Alors, on en reparlera après quand on dans la deuxième partie de l'émission, quand on parlera des infrastructures, on sera appelé à reparler basket. Je vais continuer sur mon petit laïus. Tours. Alors là, on va parler rugby. Tours est candidate pour accueillir une délégation lors de la Coupe du Monde de rugby 2023. Le projet, c'est la chambrerie. Hein, c'est important. Pouvez-vous nous l'expliquer et comment évaluez-vous les chances de Tours pour qu'une délégation choisisse Tours ? Alors, le projet de la Chambrerie, c'est un beau projet pour un beau club, un club qui est en train de rebâtir ses fondations. Hein, vous savez, les difficultés de l'US Tours Rugby avec ses finances. Moi, je veux dire à quel point le travail de l'équipe dirigeante actuel autour du président Benoît Sébillet a été extrêmement efficace et a aujourd'hui des ambitions sportives. Voilà, ça a été un travail difficile pendant trois saisons, mais aujourd'hui, ce travail porte ses fruits et permet à l'US Tours Rugby d'avoir enfin de l'ambition sportive. La saison s'est interrompue, il y avait 6 matchs, 6 victoires au compteur, et normalement, le club aurait dû monter en Fédéral 2. Il y a un dossier qui a été porté auprès de la Fédération française de rugby. J'espère qu'il aboutira. En tout cas, moi, je l'ai soutenu à la demande du président Sébillet. On a écrit une lettre de soutien, d'autant plus que le projet de la chambrerie arrive à point nommé. Hein. On va livrer autour du mois d'avril-mai 2023 un beau site d'entraînement. Voilà, la chambrerie aujourd'hui, c'est un site d'entraînement, mais qui n'a pas le confort et les vestiaires que le club mérite. Donc c'est ce projet-là qui va être construit dans la perspective, pour septembre, d'accueillir une équipe internationale qui viendra jouer la Coupe du Monde en France. À combien j'évalue nos chances? Ben, on a 5 bons dossiers dans la région centre. Voilà, on a celui d'Indre-et-Loire. Celui d'Indre-et-Loire paraissait plus costaud. C'est ce qu'on m'a dit. De par la situation ferroviaire. Voilà, on a beaucoup d'atouts. On a beaucoup d'atouts. Mais tant qu'on n'a pas remporté le match, on ne peut pas se déclarer vainqueur. Donc oui, on a beaucoup d'atouts. Il y a ce projet qui va arriver à point nommé et qui, de toute façon, permettra au club de s'entraîner dans des conditions confortables. Moi, ce que j'apprécie avec le club de rugby, c'est son investissement. Alors évidemment, sportif, c'est son rôle, c'est sa mission, mais aussi social et citoyen. Quand je vois l'entraînement des filles, quand je vois le Drop Quartier notamment, moi je ne peux, et la ville ne peut qu'accompagner. Bien sûr, bien sûr. C'est un investissement extrêmement ambitieux qu'il faut saluer, et c'est pour ça que la ville va apporter ce soutien au club avec ce nouveau centre d'entraînement, sachant que Tonnelay reste dédié au dimanche de match.
Voilà. Est-ce que le, comment dire, le, si, en admettant qu'il y ait une équipe, une délégation qui vienne, est-ce que le projet sera toujours aussi solide si c'est la Géorgie qui vient et non pas, par exemple, les All Blacks? Ça ne change rien. Ça ne change rien, sauf que tout le monde espère les All Blacks, Oui. sans faire injure à la Géorgie. Alors j'ai vu un peu la géographie des compétitions. On a plus de chances D'avoir l'Irlande d'accueillir, pour moi. voilà, l'Irlande, Ouais. l'Argentine, Ouais, éventuellement. le Mais Pays moi, de j'avais Galles. parié sur l'Irlande. Et ben, si c'est l'Irlande, c'est formidable. Ah, Voilà, si c'est c'est très bien. l'Irlande, je pense Déjà, que. on sait qu'il y aura de l'ambiance dans les vers le vieux tour, dans les pubs, par exemple. Exactement. Et si Voilà. c'est l'Irlande, on signe tout de suite. Oui, il n'y a pas de problème. C'est, je suis tout à fait d'accord avec ça. On reviendra aussi sur le rugby. Le Tour de France cycliste. On sait depuis quelques mois maintenant qu'il passera par Tours. Alors, ma question était, ville départ, pourquoi pas aussi ville arrivée Vous savez, d'une étape, hein, que je sois clair. quand on fait un dossier de candidature, on ne sait pas déjà si la ville va être retenue, si Oui. on va être ville départ ou ville arrivée ou les deux. On a la chance, comme Clermont-Ferrand l'an dernier, d'être ville départ de cette boucle. On a une deuxième chance, c'est que le départ se déroulera le 1er juillet, c'est-à-dire en dehors de, j'allais dire, presque toutes les contraintes sanitaires. Je pense qu'on gardera les masques, mais en tout cas, on pourra partager ce grand événement populaire avec les Tourangelles et les Tourangeaux. Franchement, moi, je me suis engagé à porter chaque année à Tours un grand événement sportif. Et bien, écoutez, on inaugure le mandat avec le Tour de France le 1er juillet 2021. Si on pouvait avoir en 2024 une équipe en résidence pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de De Paris, Paris. et puis en 2023, une belle équipe de rugby. Et puis, je vous laisse imaginer en 2022 ce qu'on pourrait avoir. Oui, c'est ça, ouais. Franchement, mais sans oublier le sport du quotidien. On va demain, on a conseil municipal. On a une délibération extrêmement importante que je vais présenter, qui a été débattue en commission, qui est, vous savez, Tours a des infrastructures qui sont un peu obsolètes, qui n'ont pas été entretenues ces dernières années, mais qui ont la particularité d'être facturées aux clubs sportifs. Et ça, il n'y a pas beaucoup de villes en France qui facturent les installations sportives. Donc, on a une délibération qui va porter une simplification administrative. On a 100 tarifs différents. On va diviser par 5, on va réduire de 100 tarifs à 20. Et on va porter, à partir du 1er septembre 2021, la gratuité des infrastructures sportives pour les clubs tourangeaux. Voilà. Ça, c'est aussi du bon sens parce que on donnait une facture d'un côté, mais on avait aussi une subvention d'équilibre de l'autre. Donc voilà, on n'y comprenait plus rien. C'était devenu extrêmement complexe. Et donc on va simplifier les relations, on va simplifier les démarches, et puis on va apporter aussi la visibilité à l'ensemble des acteurs sportifs de la ville de Tours. D'accord. Alors maintenant, on va aborder le sport handicap. On était tous les deux tout à l'heure au Stade Gramont pour aller saluer Guillaume Bonnet, le coach de deux athlètes handis. Ce sont deux jeunes filles que nous, on a eues régulièrement de temps en temps dans l'émission Le Grand Débrief. Je veux parler d'Alice Mettet et de Tiffaine Soldet. Ces deux jeunes filles vont partir à la fin du mois vers la Pologne pour les championnats d'Europe. Alice Mettet courra le 100 mètres et Tiffen Soldé sera sur le saut en longueur, discipline dans lesquelles toutes les deux elles évoluent. On les a saluées tout à l'heure. Voilà, je voulais savoir quel est le rôle de la mairie par rapport à ces deux jeunes filles, mais aussi par rapport à leur entraîneur qui, quand ces deux jeunes filles sont sous la bannière nationale, lui, il est en quelque sorte le dindon de la... ça fait deux fois que j'emploie cette expression, mais le dindon de la farce. C'est-à-dire que d'entraîneur de deux jeunes filles, eh ben, il saute puisque c'est l'entraîneur national qui prend le relais. Et ben, les jeunes filles aiment bien avoir leur coach au plus proche d'elles. Parce que c'est le coach du quotidien, quoi. Il faut savoir que
à chaque fois qu'il se déplace à l'étranger, c'est assez frais, c'est-à-dire l'avion, l'hôtel et puis les repas. Est-ce que la ville a des moyens d'aider ces trois personnes, notamment, pour que ce soit plus confortable? Alors, la ville n'a pas des moyens illimités, hein, vous le Oui, on est savez, bien mais d'accord. c'est avant tout un problème de fédération. Parce que ces sujets-là, quand vous êtes en équipe de France, normalement, la fédération devrait aussi permettre à l'entraîneur du quotidien de pouvoir accompagner les athlètes. Et ça, on voit bien, on l'évoquait tout à l'heure, des obligations exorbitantes et des contraintes de dernier moment pour des infrastructures, et puis d'un autre côté, des entraîneurs nationaux, mais pas les entraîneurs du quotidien, c'est-à-dire les entraîneurs et celles et ceux qui font progresser les athlètes tous les jours. On était sur la piste. Voilà, on a apporté notre soutien puisque le championnat d'Europe va commencer le 1er juin. Et par exemple, je vais prendre l'exemple de Sportes Ouvertes qui va fêter sa 20e édition le 12 septembre prochain. On a travaillé avec le comité handisport pour lui faire une place et mettre un gros coup de projecteur sur le handisport à Tours à l'occasion de Sportes Ouvertes. Voilà le type de soutien qu'on peut apporter. C'est concret, c'est tangible. D'accord. On va passer au septième sport, le volley. Le TVB a fait, on est un peu déçu cette année, on n'était pas habitué à ça, ce qu'on appelle une saison en demi-teinte. Bon, visiblement, quand on voit le recrutement qui est en train de se dérouler, on se dit que le club met tout en œuvre pour que la situation s'améliore, hein. Quand je dis s'améliorer, c'est par rapport à cette saison. Le rôle de la mairie avec le TVB? Toujours le même, de l'écoute, du soutien, et puis aussi de l'anticipation, hein, sur les projets du club. On a le meilleur club de France à Tours. L'objectif chaque année est très élevé. Alors, je le sais pour en avoir parlé avec le nouveau président Bruno Poilpré et Pascal Foussard, le manager général, que l'objectif de la saison prochaine, il est très clair, c'est de reprendre le titre de champion de France. Et puis d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. On a évoqué aussi le Palais des Sports. Voilà, c'est un vrai sujet. Bon, on a ce vaisseau amiral du sport tourangeau. C'est le cœur battant, hein, du sport à Tours, situé dans un quartier populaire, avec le tramway, par contre, qui a subi le poids des années. Donc, le maire a souhaité qu'on engage une réflexion très importante sur la rénovation. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. On a eu des réunions d'échange avec le programmiste, qui connaît parfaitement le site, hein, qui est un site gigantesque, hein. C'est un des rares sites en France où on fait cohabiter une patinoire, une piscine, un palais des sports, des salles d'escrime, de judo. Voilà. Donc on connaît bien le souhait du TVB, c'est-à-dire d'améliorer le confort des spectateurs, d'améliorer le réceptif. On a évidemment tout ça en tête, et c'est pour ça qu'on fait travailler le programmiste sur tous ces sujets-là, sachant que, évidemment, dès qu'on touche un mur, il y a aussi problème d'amiante. Donc, il faut qu'on ait une vision complète avec différents scénarios d'aménagement, et puis surtout, le plus important, à quel coût? Donc là, on va avoir, je pense, avant l'été, une feuille de route qui va être assez précise sur, je le souhaite, hein, mais ce n'est pas des petits projets, c'est des projets extrêmement importants, la modernisation de l'ensemble du site. Alors la question, c'est, voilà, c'est d'organiser ce réaménagement qui sera de toute façon assez coûteux, il faut bien le dire. Il faudra mobiliser les financements, j'espère de l'État en premier, et puis de la région, du département et de la métropole. Alors justement, maintenant, je voulais aborder les infrastructures. Là, on a parlé des clubs, maintenant, on va parler de leur matériel en quelque sorte. Je vais revenir au football puisque c'était les premiers. Il était question avec la municipalité précédente que la pelouse du stade de la Vallée du Cher soit refaite avec un but, quoi, c'était prévisionnel à 1 million, puis après on a entendu 2 millions. Qu'en est-il?
Ben, ça a été un des premiers dossiers avec le Tour de France qu'on a eu à traiter. Non, on n'allait pas mettre 2 millions d'euros sur le terrain d'honneur de la Vallée du Cher. Le projet, on l'a redéployé. Donc, on va faire un petit peu de travaux, mais de l'ordre de 40 000 euros sur le terrain d'honneur. Voilà, je pense qu'on a un très beau terrain d'honneur qui devrait permettre de jouer encore plusieurs saisons. Mais surtout, il y a un besoin de créneaux pour les clubs. Les clubs qui soient du Tour FC, association, les professionnels, mais aussi l'ensemble des clubs amateurs de Tours qui n'ont pas beaucoup de terrain d'expression et qui sont demandeurs de créneaux. Donc, on va construire deux terrains supplémentaires sur les actuels terrains stabilisés, vous savez, les vieux terrains orange. Ça, c'est prévu normalement pour les travaux devraient être livrés au printemps de l'année prochaine. Et puis là, actuellement, c'est le numéro 7, un beau terrain en herbe qui est refait, qui avait été engagé. Donc, on l'a maintenu. Voilà un petit peu la réorganisation de l'enveloppe que vous évoquiez. Et puis La aussi une pelouse. réflexion sur les vestiaires. D'accord, la pelouse du Stade d'Arles ne va pas être refaite, elle va tenir encore quelques années. Or, il faut reconnaître que le TFC n'est qu'en cinquième division, et pour un club cinquième division, la pelouse me semble très courte, moi. Oui, elle est très correcte. Et puis, moi, je préfère que ce soit un investissement qui serve à l'ensemble des clubs qui sont très demandeurs, encore une fois. Mais ça veut dire aussi si on crée des terrains supplémentaires, ça veut dire des vestiaires supplémentaires. Et donc, comme on est en zone d'expansion des crues, il faut faire très attention. On ne peut pas Voilà, il y a construire sinon à des prix exorbitants. Donc, on essaie de faire preuve, encore une fois, de réflexion et pour. Voilà, profiter des structures déjà existantes. D'accord. Il y avait un club de roller hockey à Tours qui était hébergé à la Rotonde. La Rotonde, donc ce club n'existe plus parce qu'ils ont vécu une saison épouvantable l'année dernière. Alors, je parle de la saison avant le Covid, où les matchs étaient remis parce que quand il pleuvait, c'était plus humide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ils ont dû, je me souviens, je crois, c'est l'épisode Toulouse où l'équipe est venue deux fois pour partir à chaque fois sans jouer. Donc, voilà, les joueurs de Tours en avaient marre, ils sont partis dans d'autres clubs et le club n'a pas redémarré. C'était quand même en National 2. C'est toutefois très dommage. La Rotonde, elle est obsolète depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Quand est-ce que la Rotonde va renaître ses cendres? Alors, la Rotonde, c'est un site exceptionnel, voilà, qui a une architecture assez géniale. Enfin, j'invite ceux qui ne connaissent pas la Rotonde à y faire un saut, hein. Donc, le sujet, il est complexe parce qu'effectivement, on arrive en bout de course de cette installation sportive qui, en plus, qui a cette chance d'être située au carrefour de plusieurs quartiers, donc d'être extrêmement bien située. On avait porté dans la campagne municipale un projet de tiers-lieu. Donc, un tiers-lieu, ça peut être une partie sportive, une partie culturelle, voilà, un lieu un peu carrefour. Mais avant d'engager la rénovation de ce site, il fallait absolument qu'on rénove le gymnase Joël Barbier pour permettre d'accueillir des activités de la rotonde d'Joël Barbier. C'est ce qu'on a enclenché. Puisque jeudi, on a le premier jury pour la sélection des quatre cabinets d'architecture qui vont être appelés à concourir pour le site du Joël Barbier. Mais aujourd'hui, la réflexion pour la rotonde, elle n'est pas achevée du tout. Elle est en pleine discussion, échange, voilà. Il faut qu'on s'interroge sur le projet définitif. On a un peu de temps pour faire ça parce que il faut qu'on aménage le hallebardier pour voilà accueillir les clubs et ensuite on enclenchera l'étape suivante, c'est-à-dire la rénovation de la rotonde. Mais aujourd'hui on n'est pas sur une configuration là dans les deux prochaines années. Ça c'est pas possible. On va reconstruire le hallebardier,
quand même un projet à 11 millions d'euros, donc un très beau projet. Et ensuite, on attaquera la rotonde, mais pardon. Les Albardiers, un projet financé par l'État, l'ENRU, hein, c'est ça? C'est dans le projet de l'ENRU, exactement, financé voilà, par l'État, par l'ensemble des partenaires, hein, régions, départements et métropoles aussi, dont c'est la compétence infrastructure sportive, je le rappelle. Les Albardiers, où évolue le TBC? Bien sûr. Donc c'est effectivement aussi une preuve d'attachement à la qualité de la formation du TBC. Et puis, je pense aussi une invitation à continuer ce travail. D'accord. Donc, le Palais des Sports, vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, patinoire obsolète, piscine également, c'est-à-dire qu'à une époque, on a décelé de l'amiante au niveau de la patinoire, elle a été fermée pendant plus d'un an pour travaux. Est-ce que… Il n'y a pas, alors maintenant je vais parler comme quelqu'un de totalement incompétent dans ce domaine-là, est-ce que s'il y avait de l'amiante dans l'enceinte de la patinoire, il ne peut pas y en avoir aussi dans le reste, c'est-à-dire la piscine et puis le reste du palais des sports? Est-ce qu'on a l'impression que la patinoire était désamiantée, mais est-ce que le reste l'a été? Écoutez, s'il y a l'amiante, le modèle constructif, j'imagine, était le même à peu près, puisque ça a été construit à peu près à la même époque, hein, sur plusieurs années. Donc, le sujet de l'amiante, c'est que si, tant que vous n'y touchez pas, vous pouvez continuer à pratiquer, c'est inoffensif. C'est que dès que vous commencez les travaux, c'est là où il faut, vous savez, encapsuler, et ça prend plus de temps et ça coûte plus cher. Donc voilà, avant d'engager moindre travaux, il y a eu une belle rénovation de la patinoire. Faut le dire, hein. Et une rénovation qui permet quand même au club, s'il accédait en Ligue Magnus, de jouer en Ligue Magnus. Voilà, puisque la fédération accepte les patinoires, j'allais dire, de première génération, c'est-à-dire qui ne sont pas encore, voilà, qui ne sont pas aux normes, aux dimensions aujourd'hui imposées. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que moi, j'ai régulièrement le président Stéphane Raisin au téléphone pour voilà, accompagner, bien comprendre le projet. Le projet des Remparts de Tours, c'est la formation. Donc, c'est la formation des jeunes Tourangeaux et Tourangelles à la pratique du hockey. Mais de la même façon, CMPT, qui partage la patinoire, hein, sur la partie patinage artistique, a un projet extrêmement intéressant de formation des jeunes. Donc, c'est pour ça qu'il faut… la patinoire n'est pas extensible. Et donc, on est en permanence… sur des réflexions, comment apporter du confort et une meilleure utilisation de la patinoire. Voilà, on est vraiment dans cette concertation. Et puis, sur l'accompagnement, hein, moi, je le redis, hein, l'atterrissage, hein, que ce soit les Remparts, que ce soit l'US Tour, que ce soit l'UTBM, le TVB, voilà, tous ces clubs qui ont joué sans public et sans partenaire. Voilà, mais la ville ne pourra pas tout seule. Il faudra aussi que l'ensemble des partenaires, à commencer par l'État, l'État a fait un premier geste sur la billetterie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État considère que le sport, comme la culture d'ailleurs, sont essentiels, et on le voit bien aujourd'hui. On a besoin de sport, on a besoin de culture. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin dans la ville, Tonnelay, on en a parlé tout à l'heure en parallèle avec la chambrerie, on va revenir au stade de match, hein, qui est un stade de ville, Tonnelay, situé pas très loin de l'hôpital Bretonneau et du jardin botanique. Voilà. Moi qui suis un bénévole de l'US Tour, puisque j'en suis piqué, j'officie dans la grande tribune, tout en haut. Quand je mets mon micro par temps de pluie, je prends des châtaignes. La tribune date de 1955, le stade en lui-même de 1924. Je le sais de ce matin puisque j'ai eu un entretien téléphonique avec le président Benoît Sébillé. Voilà, les vestiaires datent de 1955, c'est totalement… En termes d'hygiène, c'est épouvantable. J'ai pour habitude de dire les vestiaires de Tonnelay, c'est le paradis de la verrue plantaire. Et je maintiens ces propos-là. Là, il y a urgence. Il y a urgence en termes de santé, quelque part. Malheureusement… Est-ce qu'on peut…
Oui. Malheureusement, il y a urgence partout, quoi. Voilà, c'est ça le sujet. Il y a Ouais, là, on urgence est dans sur de les la paix écoles. quand même. Il y a urgence. Non, mais nos infrastructures et nos gymnases sont dans un état mais catastrophique. On parlait Ouais. tout à l'heure avec la Trois Tours. Ils ont aussi un projet de salle. Pour eux, il y a urgence. Donc, effectivement, si on considère la vie de nos grands clubs, il y a urgence aussi de tous les côtés. Donc, on n'a pas de baguette magique, clairement. Le projet de la Chambrerie va permettre quand même d'améliorer de manière très notoire et très d'apporter du confort à l'ensemble. Parce que l'entraînement, c'est quand même toute la semaine. Et le match, c'est que le dimanche. J'entends bien les conditions, mais aujourd'hui, surtout que j'indique que le tramway va passer devant Tonnelay. Ça veut dire qu'il va y avoir une reconfiguration de la ville. On va relier les quartiers, notamment les quartiers populaires. Et donc, aujourd'hui, Tonnelay reste le cœur du club de rugby. Mais on va pas pouvoir faire de miracle sur Tonnelay parce que, comme vous l'avez dit, il faut engager des sommes qui sont sans doute très importantes. Ben, sur des améliorations de plomberie, ça serait si cher que ça. Sur l'amélioration d'électricité, moi je parle de la cabine de presse là-haut, il suffirait de faire un petit peu de faire venir un couvreur pour boucher des trous, des choses comme ça, faire venir un électricien qui ferait quelque chose de conforme. Au niveau des vestiaires, de la plomberie pour qu'il y ait des douches, je ne parle pas de tout démolir et tout. Il y aurait peut-être moyen, en attendant quelques années, de faire quelque chose d'intermédiaire, une passerelle, mais qui permettrait aux joueurs de se sentir un peu plus au propre. Oui, sans doute. Je pense que Tonnelay mérite une réflexion d'ensemble. Et ça, c'est un projet qui est très onéreux. Mais sans doute, effectivement, vous avez raison. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu pour permettre voilà, d'avoir un confort amélioré, je vais le dire comme ça, pour les joueurs et puis pour l'ensemble des spectateurs. Donc ça, effectivement, on va le regarder, puisque la première sortie officielle que j'ai fait avec mon nouveau mandat d'élu, c'est au rugby. Donc, c'est bien aussi la preuve de l'attention de l'équipe municipale. On a eu la visite d'une ministre aussi à Tonnelay. Donc, on a bien ça en tête. Je pense que Tonnelay, il faut un projet d'ensemble. Et le projet d'ensemble, ce n'est pas pour demain ni après-demain. Mais effectivement, vous avez raison, il faut qu'on améliore le quotidien de Tonnelay. C'est Ça, ça. j'en suis persuadé. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas que les matchs du dimanche, il y a aussi ceux du samedi. Il y a des matchs à la Chambrerie, mais il y en a aussi le samedi à Tonnelay. Et puis il y a les Boutchous qui viennent aussi de temps en temps. Les Moi, je vois mercredis. du monde régulièrement, hein. Donc, tout le monde passe par les vestiaires et puis ça va de. Voilà quoi. Puis c'est un club qui a tellement de bénévoles où ça vit tellement bien. Ils ont fait tellement d'efforts pour. Comment dire, pallier à la dette qui était existante et qui était très importante. L'équipe dirigeante, je crois, et les joueurs méritent quand même un geste, quoi, méritent de bonnes infrastructures. Je vais pas aller, je suis pas là pour mendier, c'est pas mon rôle. Hein, mais enfin bon, voilà. Quelles sont les futures améliorations dans les gymnases, on va dire plus scolaires? Je parle de Jean Massé, d'Abilly. Alors, d'Abilly, c'est là où joue le P3L. Voilà, Jean Massé, d'Abilly, et puis plein d'autres que je ne connais pas, où j'entends dire par des amis qui sont enseignants dans le sport, c'est totalement obsolète et tout. Bon, voilà, on n'a pas ci, on n'a pas ça, etc. Je confirme, on a des demandes multiples de rénovation des gymnases, que ça vienne de l'éducation nationale, des enseignants ou des clubs sportifs hein, qui sont les utilisateurs principaux. Hein. Je connais les gymnases et malheureusement, je pense qu'ils sont tous dans une situation, à quelques exceptions près, catastrophique. Voilà. Moi, j'ai rencontré le président du CEST hein, il n'y a pas très longtemps qui m'a parlé du projet puisqu'on va avoir le nouveau quartier des casernes et le CEST souhaiterait vendre le site actuel près de la gare
Rue du Rempart, oui. Et se redéployer rue du Rempart, c'est ça, dans le nouveau quartier des Casernes. Je trouve que l'idée est plutôt intéressante, dans un quartier où on est en manque d'infrastructures sportives. Donc le CEST étant le CEST étant le plus gros club omnisport de, je crois. Tout à fait. Complètement. Et qui a perdu, qui a perdu pas mal de licenciés avec la crise sanitaire. Donc voilà, on a évoqué tous ces sujets-là. Moi, j'ai visité le site de la rue des Remparts. On a eu un bon échange avec le président. Et puis, j'étais encore samedi après-midi au CEST basket, voir l'entraînement des féminines. Donc, je connais bien les dirigeants. On échange régulièrement. Puis voilà, on échange très directement comme on le fait ce soir. Moi, j'ai plaidé auprès du maire pour qu'on puisse avoir un gymnase, un nouveau gymnase dans le nouveau quartier des Casernes et qui puisse aussi servir aux scolaires. Ça peut. Alors, il faut qu'on puisse avoir aussi le soutien du conseil départemental parce que le gymnase il servira au collège Rabelais qui est tout proche. Et donc voilà, ça fait partie des projets que moi je voudrais porter d'ici la fin du mandat. Oui, parce que là, les jeunes filles de National 2 du CEST évoluent pour l'instant, pas évoluer encore là depuis deux saisons, même si elles ont arrêté leur saison rapidement cette année, en cohabitation avec l'UTBM à Montconseil. Donc là, on sait que l'UTBM, on en a parlé tout à l'heure, accède à la Pro B. Visiblement, la salle d'accueil va toujours être Montconseil, mais avec des améliorations obligatoires par rapport au cahier des charges. Je pense notamment à la disparition des multilignes qu'il y a au sol, éventuellement amener le potentiel public qui est actuellement de 1500, peut-être éventuellement avec du monde derrière les deux panneaux, est-ce que c'est envisageable de l'amener à 2000? J'en sais rien, c'est un truc que je lance comme ça, moi, à l'aventure, qui ne suis pas du tout dans les petits papiers. Est-ce que ces jeunes filles auront toujours la possibilité de jouer à Montconseil en cohabitation donc avec le TMB ou est-ce qu'elles devront migrer ailleurs? Tant qu'on n'a pas le cahier des charges définitif de la Ligue de basket professionnel, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Moi, ce que je souhaite, c'est que la cohabitation puisse se poursuivre. Effectivement, on aura des menus travaux à faire en urgence dans l'été. Ça, on a une réunion technique justement pour voir l'ampleur et la nature des travaux la semaine prochaine avec l'équipe de l'UTBM. Moi, ce que je souhaite, c'est que, comme on reste sur du basket, masculin ou féminin, on puisse trouver des créneaux pour le CEST. Ça me paraît important. Le sujet, il va être les créneaux pour les scolaires. Parce qu'on a des scolaires qui fréquentent Montconseil, qui a été conçu comme un gymnase de quartier. Montconseil a été conçu comme un gymnase de quartier et pas comme un gymnase support d'une équipe professionnelle. Donc, on voit bien la difficulté de dépasser ce cadre de gymnase de quartier pour en faire un gymnase qui puisse accueillir un sport unique. Mais je pense qu'il y a de la place pour la Pro B et les féminines du CEST. En tout cas, c'est mon souhait. D'accord. Et il y a aussi, alors là, on va changer de discipline, ce sera une des dernières questions. Il y aurait un projet de padel sur le site ATG Tour. Alors, j'explique ce qu'est le padel parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Il ne s'agit pas du paddle, qui est un flotteur sur l'eau avec des rames, dont la personne est debout dessus. Non, le padel est un sport de raquette qu'on peut assimiler entre un conjugué entre le squash et le tennis, qui se joue à quatre, et c'est un sport qui est très en vogue qui, en Amérique du Sud, notamment en Argentine, également en Espagne, et qui commence à se mettre en place en France de façon assez sérieuse. Pascal Boidron, à l'ATG Tour, a le diplôme pour être enseignant dans cette discipline. Donc, je crois qu'il y a un projet qui est en train de naître. Qu'en est-il? Oui, c'est vrai. C'est vrai, puisque quand on a rencontré la nouvelle équipe dirigeante de la TGT, on a évoqué ce projet, hein, parmi d'autres. Puis ensuite, je me suis rendu
sur site pour voir les conditions, la faisabilité. Et je crois qu'on a une réunion prochaine prévue pour évoquer ce sujet-là avec, avec l'équipe dirigeante pour avancer. Je crois qu'ils ont, ils ont rencontré Mohamed Moulay, vice-président chargé sport de la région Centre-Val-de-Loire, qui est prêt à accompagner ce projet. Donc voilà, on est dans le processus normal de co-construction d'un projet porté par un club qui me paraît aujourd'hui est un projet important puisqu'il n'y a pas d'offre publique, il n'y a que des offres privées en Indre-et-Loire. Donc c'est plutôt... c'est plutôt, une, je trouve, une bonne idée et je pense qu'on va, on va en rediscuter très bientôt. D'accord. Là, maintenant, je vais passer au tennis, qui est un sport dont on n'entend pas beaucoup parler, qui était le sport numéro 2 à une époque et puis qui a tendance à plonger un petit peu. Mais ça, ce n'est pas seulement à Tours, hein, je parle de, au niveau national, voire international. Bon, est-ce qu'il est possible d'envisager un jour un gros tournoi de tennis à Tours? Moi, à l'époque, où, quand j'étais dans cette discipline, on en parlait, mais les infrastructures ne permettaient pas ce genre de choses. Il y en a eu un féminin au TCJ, Tennis Club, je conviens, pendant de nombreuses années. Là, ça fait 2 ans qu'il est en stand-by, 2-3 ans. On ne sait pas s'il va redémarrer. Voilà. Est-ce que du côté de la ville de Tours, on aimerait voir ce genre de choses naître ? Avec évidemment beaucoup de plaisir. Après, ce n'est pas la ville qui porte ce type de projet, hein. Il faut que ce soit le ou les clubs. C'est pour ça que moi, si un projet de cette nature venait à être proposé, je souhaiterais qu'il soit proposé par la TGT et le TCT. Je pense que ça serait aussi une façon intelligente de travailler ensemble. On a 2 grands clubs. Si on veut porter un événement sportif majeur, il faut associer son intelligence et ses compétences. On va plus loin ensemble. Et c'est pour ça que je veux aussi... j'ai rencontré le TCT, je me suis déplacé. Voilà, moi, j'ai aussi des propositions à faire aux 2 clubs. Et si les 2 clubs souhaitent travailler ensemble à un projet de tournoi, ben on les accompagnera d'autant plus volontiers que ce projet sera collectif. En mettant les 2 clubs, plus la municipalité qui fait Roche-Pinard, le Palais des Foires, avec de la lumière qu'il faut, les gradins qu'il faut, on peut effectivement voir un beau tournoi de tennis à Tours. C'est une bonne idée, c'est une excellente idée. Ils y ont sans doute déjà pensé eux-mêmes. Ça avait déjà été évoqué, mais il y a plein de choses qui font que Roche-Pinard, pour l'instant, ne peut pas accueillir ce genre de choses. Mais en y faisant des modifications, ça peut être le lieu idéal. Avec des facilités de stationnement, etc. etc. Donc, c'est parfaitement... Pour résumer, Monsieur Thomas, on peut dire que dans le domaine des infrastructures sportives, depuis 1980, Tours est le parent pauvre dans la catégorie des villes de cette importance, c'est-à-dire 150 000 habitants avec agglo 320 000. Je pense au Mans, à Angers, Poitiers, Orléans, voire même Bourges. On a l'impression que Tours est le petit dernier, non ? Sans doute, le constat est cruel hein, pour le sport tourangeau. Moi, je veux voir quand même un petit peu d'espoir. Alors déjà, l'espoir incarné par l'UTBM. Voilà. Après toutes ces années, retrouver un club de basket en Pro B, franchement, ça fait plaisir. Voilà. Oui, c'est incontestable. Ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Ensuite, pour continuer la réflexion, je pense que ce que fait la métropole d'Orléans avec le Comet, c'est aujourd'hui, avec le contexte sanitaire, social et économique, totalement hors de proportion. Démesuré ? Totalement. Totalement démesuré. C'est pharaonique. Le projet de Comet a commencé à 100 millions d'euros d'investissement. On est rendu aujourd'hui à 150, et je pense que l'atterrissage sera sans doute entre 160 et 180 millions d'euros. Uniquement pour l'investissement. Hein. C'est-à-dire que vous organisez le moindre match de handball, de volleyball, de basketball,
vous allumez la lumière, à mon avis, vous avez un coût minimum de 50 000 euros de frais de fonctionnement. C'est-à-dire, ça vous coûte un bras en investissement, ça vous coûte l'autre bras en fonctionnement, vous ne pouvez plus jouer au basket. Voilà. Et ça, ce projet-là, à Tours, c'est totalement démesuré et hors de proportion. Donc, Je ça veut pense qu'il dire faut. que pour répondre aux questions de certains de nos auditeurs là, en direct sur la page ITS, ça veut dire que l'espoir de voir naître une arena, par exemple, c'est faut pas y compter. J'ai pas dit ça. J'ai pas Bon, dit ça, mais je dirais, je grossis le tableau. une arena, c'est entre 20 et 25 millions d'euros. Voilà. Vous savez que la métropole a comme projet prioritaire la deuxième ligne de tramway, qui est un projet qui va renouer les quartiers. Et ça, c'est un projet essentiel pour la métropole de Tours, pas uniquement pour la ville de Tours, mais pour la métropole. Je pense qu'on peut trouver d'autres solutions. Voilà. Et ça, aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses. C'est pour ça que je serai pas très précis dans ma réponse. Mais je pense qu'on a d'autres solutions que de construire une aréna alors qu'on a nos écoles à réaménager, alors qu'on a nos gymnases du quotidien qui sont dans un état lamentable. Je préfère que cet argent puisse servir au sport du quotidien plutôt qu'à construire une aréna pour le club de basket, par exemple, voilà, ou pour le club de volley. Je pense qu'on a. Je n'ai pas dit qu'on ne répondra pas dans ce mandat aux attentes du volley et du basket, pour prendre des exemples de clubs au plus haut niveau. Mais je pense que c'est illusoire de porter le projet d'une aréna à 20 ou 25 millions d'euros dans le contexte qui est celui que j'ai décrit aujourd'hui. D'accord. Eh bien, ça sera la conclusion. Merci, Monsieur Thomas, de nous avoir accordé cette heure. J'espère que tous les aficionados des clubs tourangeaux seront satisfaits de vos réponses, que je n'ai pas, moi, oublié des questions. Ils sauront nous le dire. Voilà, bien évidemment. Et puis, bon vent à tous les clubs sportifs de Tours, bien évidemment, n'est-ce pas? Merci de votre invitation. Et puis, effectivement, on a tous hâte de reprendre le chemin des terrains et des gymnases et puis d'aller encourager nos clubs. C'est quand même le sport, c'est essentiel. On le voit bien aujourd'hui. Et puis, à bientôt autour d'un terrain. Entendu. Bonne soirée, Monsieur Thomas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Tchou.